Salut tout le monde. Est-ce que la situation suivante t'est déjà arrivée? Quelqu'un te demande, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Laquelle tu veux savoir en premier? Dit comme ça, c'est toujours un peu stressant. On se demande quelle est cette mauvaise nouvelle et on peut comprendre que la bonne nouvelle n'est là que pour faire passer la mauvaise. Personnellement, je répondrai la mauvaise nouvelle d'abord. Des études montrent en effet que 80% des gens veulent entendre d'abord la mauvaise nouvelle. Une situation semblable s'est passée du temps du prophète Sophonie de la Bible. Il avait une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à annoncer au peuple. Sauf qu'il n'a pas demandé, il a commencé tout de suite par la mauvaise nouvelle. Sophonie annonce le jugement du monde, y compris de Juda, et la nécessité d'une repentance nationale. Il annonce le jugement de plusieurs nations, les Philistins, les Moabites, les Éthiopiens, les Assyriens. Il annonce aussi le jugement de Jérusalem. Je vais tout balayer, dit l'Éternel, le jour de l'Éternel est proche. Ceci est décrit dans Sophonie, chapitres 1 et 2. Le message est le suivant: tournez-vous vers l'Éternel, soyez justes et ne péchez plus pour être à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Globalement, à cette époque, le peuple a tendance à s'éloigner de Dieu. Le prophète Sophonie vit vers moins 630, du temps de Josias, roi de Juda. À l'époque de Josias, il y a eu un réveil. Le peuple de Juda va revenir à Dieu, en partie grâce à Sophonie. Le livre de la loi de Moïse est redécouvert et le peuple revient à Dieu. Pour un temps. Mais il va finir par s'éloigner à nouveau. Et un peu plus tard, après notre récit d'aujourd'hui, le peuple de Juda va être déporté par les Babyloniens. Les deux premiers chapitres de Sophonie annoncent le jugement, puis le dernier chapitre est beaucoup plus encourageant, il est plein de promesses. Au début du chapitre 3 de Sophonie, le message c'est que même si le peuple de Dieu s'est éloigné progressivement de Dieu, un peu comme sur un toboggan aquatique, des gens de tous les peuples seront transformés par Dieu pour le prier, le servir et l'adorer. Nous allons voir aujourd'hui Sophonie 3, du verset 11 à 20. Première partie, réjouis-toi en l'Éternel, il n'y aura plus de honte. En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de tes rangs ceux qui se plaisent dans l'orgueil. Alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple qu'on a opprimé, des gens de condition modeste, qui se réfugieront en l'Éternel. Les restes d'Israël ne feront plus de mal, ils ne diront plus de mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur quand ils paîtront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. Quand est-ce que seront réalisées toutes ces promesses de Dieu? En ce jour-là, au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, on en parle plusieurs fois dans la Bible, et en particulier ici dans Sophonie, et désigne souvent la fin des temps, la Nouvelle Jérusalem, le retour de Jésus-Christ. Il y a plusieurs accomplissements futurs qui se télescopent ici dans ces annonces prophétiques. Premièrement, dans l'histoire du peuple d'Israël, Juda va être déporté. Ce texte arrive avant. Après être déporté, le peuple d'Israël va revenir d'exil dans son pays. Donc ça, c'est au futur pour Sophonie. Et puis, il y a d'autres événements plus larges qui sont déjà annoncés ici, notamment la venue de Jésus, qui est aussi un futur pour Sophonie, mais du passé pour nous. Et puis, en ce jour, le jour de l'Éternel, qui désigne la fin des temps, le retour de Jésus-Christ, l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, et qui est le futur pour nous. Et tous ces événements sont assez mélangés dans ces prophéties de Sophonie. Le peuple ne portera plus la honte à cause de ses méfaits, à cause de ses fautes. Car le peuple ne fera plus le mal, il ne sera plus arrogant sur la montagne sainte de Dieu. Dieu est saint, ça veut dire qu'il ne peut pas être en présence du péché. Et pour nous, du coup, pour être près de Dieu, il faut être loin du péché
Comment? En étant pardonné pour nous approcher du Dieu Saint. Un mot sur la honte. Notre texte d'aujourd'hui, on parle trois fois de la honte, versets 11, 18 et 19. Et selon les cultures, certaines comme l'Occident sont plutôt axées sur la culpabilité. Ce qui importe, c'est est-ce qu'on est innocent ou est-ce qu'on est coupable. Alors que pour d'autres cultures, ce qui est important, c'est la honte, de ne pas apporter la honte sur soi-même ou sur sa famille ou sur son groupe dans lequel on vit. Et dans ces cultures, apporter la honte, c'est très grave, un peu comme la culpabilité de d'autres cultures. Qu'on soit coupable ou pas, peu importe, la honte est ce qu'il faut absolument éviter. Et ici, ce texte nous dit que quand ces événements vont arriver, il n'y aura plus de honte. Dieu enlève à la fois la culpabilité et la honte. Ainsi, la Bible, on voit qu'elle est vraiment multiculturelle, quelle que soit notre culture, quand on se tourne vers Dieu, ça change. Se réfugier en l'Éternel, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas que l'on fasse l'arrogant en sa présence, sur sa montagne sainte, en étant orgueilleux, comme lorsque l'on vit sans lui, par exemple, en pensant qu'on peut vivre de manière indépendante sans Dieu. Le reste d'Israël, une partie du peuple qui subsistera, se réfugiera en l'Éternel. Face aux difficultés, certains se tourneront vers Dieu. Et il est dit qu'ils paîtront en paix. Donc c'est l'image des brebis et des moutons qui broutent dans des verts pâturages, qui ont de la nourriture en abondance et qui sont dans la paix. C'est bien sûr une image pour le peuple de Dieu qui sera en paix et se reposera sans être troublé. Se réfugier en Dieu, se tourner vers Dieu, c'est la manière dont le peuple de Dieu sera en paix. C'est la manière dont le peuple de Dieu n'aura plus honte. La question est, où en es-tu avec Dieu? Es-tu en paix avec lui? La honte des méfaits que tu as commis contre Dieu ont-ils été effacés? Deuxième partie, réjouis-toi car l'Éternel est au milieu de son peuple. Verset 14, pousse des cris de joie, ô filles de Sion, lance un cri de triomphe, ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur, ô fille de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous. Il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus le malheur. En ce jour-là, on ira à Jérusalem. Sois sans crainte, Sion. Ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Lui, à cause de toi, il poussera des cris de joie, et il exultera, tout comme au jour de fête. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. C'est ici un appel fort à la joie pour Jérusalem et Israël, le peuple de Dieu. Pousse des cris de joie. Lance un cri de triomphe, réjouis-toi, exulte de tout cœur. Si on fait le parallèle à nous aujourd'hui, est-ce qu'on le fait souvent? Quelle est la raison de toute cette joie? L'Éternel a levé le verdict de condamnation. Toute la condamnation décrite dans les deux premiers chapitres, de long en large en travers, la condamnation pour les nations aux alentours et aussi le peuple de Juda ainsi que Jérusalem, toute cette condamnation sera levée. La mauvaise nouvelle dont on parlait au début passera. Ce qui est aussi surprenant, c'est que la joie sera réciproque. Dieu lui-même sera dans la joie. À cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera tout comme au jour de fête. Cet accomplissement arrive en plusieurs fois lors du retour de l'exil, qui est dès maintenant annoncé. Mais on peut aussi y voir une annonce prophétique de la venue de Jésus
morte pour nos péchés, qui a levé la condamnation qui pesait sur nous et la honte qui pesait sur nous en prenant nos fardeaux à notre place. Jésus-Christ a pris nos fardeaux à notre place. Aujourd'hui aussi, face à la délivrance donnée par Jésus lorsque nous confessons nos péchés, eh bien nous pouvons nous réjouir, être joyeux à la fois chacun individuellement, mais aussi en communauté. Et ce chapitre 3 de Sophonie est un appel aux chrétiens à célébrer Dieu dans la joie, par exemple lors des cultes ou des rencontres. Du fait qu'il n'y aura plus de mal au milieu du peuple, l'Éternel pourra revenir au milieu de son peuple. L'Éternel est au milieu de vous. Cet encouragement, cette promesse est présente deux fois, verset 15, verset 17. L'Éternel est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Au cours de l'histoire d'Israël, à un moment, la gloire de Dieu a quitté le temple. C'est écrit dans Ézéchiel 10. Et c'est un signe d'abandon de Dieu, tellement le peuple est allé loin dans l'idolâtrie, dans l'éloignement de Dieu. Dans notre texte, il y a là une promesse que l'Éternel sera au milieu de son peuple, tel un guerrier qui sauve. L'Éternel combattra pour nous, au sens propre certainement pour Israël historiquement, pendant un temps, mais aussi spirituellement pour nous aujourd'hui. Jésus a combattu, il a vaincu le péché, et les croyants ont maintenant le Saint-Esprit qui habite en eux lorsqu'ils se tournent vers Dieu. Sais-tu te réjouir en Dieu? Sais-tu te réjouir en assemblée? Parfois on est trop pris par nos soucis, nos malheurs, nos craintes ou nos fautes. Si c'est le cas, sachons être repentants puis reconnaissants envers Dieu. Il a levé notre condamnation. Si tu as déjà accepté Dieu dans ta vie, il vit en toi par son Saint-Esprit. L'Éternel est au milieu de son peuple. Quel encouragement! C'est ainsi un encouragement à vivre en Église, à se réjouir en Église. Comment peut-on le vivre concrètement? C'est ce qui est demandé à chaque communauté. Est-ce que Dieu vit au milieu de toi? Est-ce que tu as son Saint-Esprit personnellement? Troisième partie, Dieu lui-même interviendra pour changer ton sort. On lit au verset 19, « En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées, et je rassemblerai celles qu'on a chassées. Je rendrai mon peuple glorieux et renommé partout dans le pays où vous aurez connu la honte. En ces temps-là, je vous ramènerai. Oui, quand je vous rassemblerai, je vous rendrai renommé et glorieux chez tous les peuples de la terre. Je le ferai quand sous vos yeux, moi, je changerai votre sort, l'Éternel le déclare. » C'est assez surprenant ici, mais c'est Dieu lui-même qui va intervenir pour changer le sort de son peuple. On pourrait s'attendre dans une telle situation à ce qu'il soit dit « Voici la liste des lois que vous devez faire pour être parfait, du moins vous en approcher et être digne de Dieu. » Mais non, pas du tout. Ici, c'est Dieu lui-même qui agit par son peuple. J'interviendrai, je sauverai, je rassemblerai, je rendrai, je vous ramènerai, je vous rendrai, je le ferai, je changerai votre sort. Quel est l'auteur de toutes ces actions? C'est l'Éternel. L'Éternel le déclare. Certes, ces paroles s'appliquent au peuple d'Israël, qui sera rassemblé, ses membres dispersés seront rassemblés de l'exil et de la diaspora, mais aussi, selon les promesses qui se télescopent dans la Bible, ces paroles s'appliquent à son peuple qui sera rassemblé par l'œuvre de Jésus pour changer le sort de tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est ici l'annonce d'un plan plus large que le simple retour d'exil pour le peuple de Dieu. C'est l'annonce d'un plan plus large qui va jusqu'au jour de l'Éternel, au temps des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem qui est encore à venir. En tout cas, le chrétien n'a pas à gagner la faveur de Dieu, il n'a pas à devenir digne du salut de Dieu par une suite d'actes, non.
C'est Dieu lui-même qui est intervenu pour changer notre sort. Et c'est ce qui est arrivé par l'œuvre de Jésus. Sa mort sur la croix, sa résurrection, il a payé pour nos fautes, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Quelle source de joie importante pour nous. Dieu interviendra encore à la fin des temps pour changer notre condition terrestre et instaurer son royaume. C'est là la grande histoire de Dieu que décrit la Bible et dont Sophonie fait partie. Tous les peuples de la terre sont concernés avec l'ouverture du plan de salut à toutes les nations par l'œuvre de Jésus-Christ. Moi, je changerai votre sort, l'Éternel le déclare. On a quand même quelque chose à faire chacun, c'est de pouvoir placer notre confiance en Dieu et croire qu'il peut vraiment nous pardonner et qu'il peut changer notre sort. Nous avons simplement à lui faire confiance pour cela. Est-ce que tu l'as fait? En conclusion, face à la mauvaise nouvelle de l'éloignement progressif de Dieu de la part du peuple d'Israël, décrit dans les deux premiers chapitres de Sophonie, telle une descente de toboggan aquatique qui fait glisser le peuple loin de Dieu, eh bien ce troisième chapitre de Sophonie explique comment Dieu est intervenu pour changer notre sort et laissons-nous transformer par Dieu. La bonne nouvelle n'est pas ici une fausse bonne nouvelle pour faire passer la mauvaise, c'est une vraie bonne nouvelle qui surpasse de loin la mauvaise nouvelle. C'est ici l'annonce du plan de Dieu, de la grande histoire de Dieu, qui s'est dévoilée tout au long de la Bible. Réfugie-toi en l'Éternel, il n'y aura plus de honte. Réjouis-toi, car l'Éternel est au milieu de son peuple. Dieu est intervenu pour changer notre sort. Tels sont les encouragements de Sophonie 3, 11 à 20 pour nous aujourd'hui. Bye bye.